Konnichiwa, Yonan, Gardan, c'est Massa, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour la petite revue de Banshee, que vend-il ce jeudi. Donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo pour les armes sera valable du 21 juillet jusqu'au 26 juillet 19h. Et en ce qui concerne les modes, ils seront valables uniquement du 21 juillet jusqu'au 22 juillet 19h. Et sans plus attendre, on va se rendre à la tour et le temps d'arriver sur place, on voit ce qu'ils nous vendent de bon ensemble. Voilà, nous sommes arrivés sur place, on va bien sûr aller sur la droite hein, pour rendre visite à Banshee 44 qui se trouve juste en face dans ce cas-là. Alors, qui a gagné? Alors, au niveau des armes, on a toujours la veille du berger. Ah, c'est dommage, on aurait pu avoir quelque chose d'à peu près correct, mais là le combo va pas être génial avec l'ensemble des perks. Et d'autant plus qu'un sniper avec Pluton, on peut avoir bien mieux que celui-ci. Au niveau de l'alerte spoiler, on aurait pu avoir quelque chose d'à peu près correct. Par contre, c'est vrai qu'en portée, on va pas mal manquer de portée. C'est pareil, au niveau des pistolets, on peut avoir bien mieux que ce qui est proposé aujourd'hui. Au niveau de l'impulsion Logma FI6, j'espère que vous avez pris celui qui a été proposé mardi, qui était de bien meilleure qualité. Je ne vous conseille pas particulièrement dans les stats qui sont proposés aujourd'hui. Et en ce qui concerne la toile entonnoir, est-ce qu'on a quelque chose de mieux que mardi? Non, malheureusement, on n'a pas quelque chose de mieux que mardi. Ça tombera peut-être... une autre semaine, mais pas cette semaine. Alors si vous l'avez pas, vous pouvez toujours le prendre dans cette configuration pour le tester, mais on peut avoir nettement mieux pour cette toile entonnoir. C'est vraiment dommage qu'on n'ait pas eu mieux d'ailleurs. Au niveau du Pan Mirabe, le lance-roquette de la saison, on peut avoir que c'est pareil. Ce qui va manquer ici, ça va être les perks qui vont être ici, qui vont pas être génial. On a quelque chose qui est peut être utilisable avec obstination et puis réaction en chaîne, mais on peut avoir bien mieux sur ce lance-roquette. Et enfin, pour finir, le Typhon NG5. Ah là, par contre, on a quelque chose qui est tout à fait correct hein, avec frénésie et puis démolisseur. Hein, pourquoi pas, ça peut faire un combo qui est pas mal ensemble. Vous avez grenade à pointe qui vous permettra de faire plus de dégâts avec vos grenades. On pourra tout à fait garder le compensateur linéaire qui permet en fait d'augmenter le rayon d'explosion. Et en plus on a une pièce maîtresse de vélocité qui permettra d'avoir encore plus de vitesse au niveau des projectiles. C'est plutôt pas mal. Et d'ailleurs ça reste la meilleure arme qui est proposée malheureusement pour cette fin de semaine par Banshee. Et au niveau des modes, on a donc le réglage de radar. On a toujours la poignée d'Icar, un très connu des joueurs PVP. On a la poignée de sprint et enfin on a le spécialiste de l'encerclement qui s'utilise uniquement avec des armes qui ont la perque encerclement. Et ça permet en fait d'avoir une activation de ce bonus qui a une durée plus longue dans ce cas-là, donc c'est tout à fait correct. On va bien sûr aller voir Adawan hein, pour voir si elle a des choses intéressantes à nous vendre aujourd'hui. Donc n'oubliez pas, hein, je vous laisse volontairement le chemin en entier. C'est surtout pour les personnes qui débuteraient sur le jeu et qui ne sauraient pas où se trouve Adawan dans ce cas-là. Donc on arrive dans la cour, vous avez donc Ikora qui est sur votre gauche. Vous avez Osorn avec la petite couronne là qui est à gauche mais un peu plus haut en hauteur. Et là vous vous engouffrez dans cet escalier et à partir de ce moment-là, du moment que vous êtes à ce niveau-ci, que vous prenez cet escalier-là, vous ne pouvez pas vous tromper, de toute façon vous êtes sûr d'arriver à bon chemin. Donc voilà, arrivé ici, vous allez bifurquer sur la droite et on va avoir Adawan qui va être juste en face de nous. Rebonjour. Donc au niveau des modes, on a donc la réserve de pistolets que je vous conseille, hein, particulièrement si vous utilisez des pistolets, ça vous permet d'avoir plus de munitions pour votre pistolet, donc c'est plutôt pas mal. On a le ciblage de pistolet mitrailleur qui aura plus une utilisation PVP bien sûr. On a donc la frappe concentrée hein, qui vous permet de récupérer en fait de l'énergie de capacité, surtout pour les arcades ça va être la faille par exemple. Quand vous faites des dégâts avec votre mêlée, donc ça peut être plutôt pas mal pour récupérer votre faille ou votre barricade pour
les titans, voire votre esquive pour les chasseurs. Et on a la visée imperturbable au glaive, alors ça sera certainement plus pour du PVP, pareil, j'en vois pas trop l'utilité, mais pourquoi pas, de toute façon, prenez-le, on sait jamais, ça peut toujours venir à quelque chose qui est indispensable par la suite. Voilà, ça va être tout pour ce qui est vendu par Bungie donc pour cette fin de semaine, et les modes qui sont vendus aujourd'hui. Je dirais un mode à pas louper, ça sera au moins celui-ci, frappe concentrée, qui pourra toujours vous servir un jour ou l'autre. On va en rester là pour cette petite revue, je remercie toutes les personnes qui ont regardé cette vidéo, toutes les personnes qui ont pris le temps de la regarder. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo, certainement demain pour la revue de Xur. Et sur ce, gardiennes et gardiens, je vous dis sayonara et prenez bien soin de spectre.